fait un drôle de rêve. J'ai rêvé que je dansais sur une jetée toute blanche. Tout autour, il y avait des tas de gosses. Oh, toi, ta danse, hein. Zou, on va à Chipaza. À l'occasion des 26 ans de Marinette. C'est une drôle d'idée d'avoir envie d'être heureux le dimanche matin. On a toujours envie d'être heureux. C'est le bonheur qui vient tout d'un coup, comme la pluie. C'est aussi vite. Tu parles comme un livre. Expression parfaitement idiote, car j'ai jamais entendu un livre parler. On va acheter du raisin et des poires. Le raisin d'Algérie, c'est le plus beau du monde, tu non? Tu joues tout le temps. Moi, j'aime bien rire, mais j'aime aussi les gens graves. J'aime parler. Ah, parce que je dis pas toujours ce que je pense, tu crois que je pense pas. Ce sont les mots qui me font peur. Ils sont comme le feu, ils brûlent. Et comme la glace aussi. Vanille, framboise ou pistache? À la vanille. Merci. Merci bien. Cinquante? Merci. C'est bon, hein? Il faut dire ce qu'on pense. Faut économiser les mots. Le mot amour ne s'use que si l'on s'en sert. Il faut parler, Alain. Si on parle pas, on peut pas se connaître. Même quand on parle, on se connaît souvent pas plus. Les gens racontent des tas d'histoires, sont tous des menteurs. C'est pas vrai, Alain, pas tous. Pizza, s'il vous plaît. À la tomate? Merci. Merci. Alors, on va faire un petit tour ensemble? Non, mais dites donc, vous, ça va pas? Oh, ne parlons point de la magistrature. Plus chaud. Midi 10, plus envie de bouger. Je voudrais être étendu sur le sable ou bien dans l'eau. On est presque arrivé. Dans une demi-heure, tu y seras. Garde ces gens dans les cabanons. On dirait qu'ils sont dans des cages. Ils mangent tous. À la mer, j'ai pas faim, moi. C'est une drôle d'idée. Ils viennent à la mer et ils se foutent derrière des grilles. Maintenant, Tipaza est habité par les dieux et les dieux parlent dans le soleil. L'odeur des absinthes, la mer cuirassée d'argent, le ciel bleu et cru. C'est Albert Camus qui a écrit ça, c'est dans Nos. J'aime bien Tipaza. Tout est si beau, si calme. C'est quand tout est si beau qu'on a l'air encore plus moche. La guerre, ça ne devrait pas exister. Attendre encore les prochains beaux jours et les...
Paris se souvient du nom du régiment qui l'a rendu catin par un jour de printemps. Elle se rappelle aussi son parfait pour la guerre. C'est bon. Qu'elle nous pardonne et qu'elle pleure. On fait un petit dodo ici, Madeleine? Tu peux toujours faire un petit dodo avec moi. J'ai envie d'aller sur la plage. Elle a dit oui. Il était pompier, elle était crémière. Ils se sont aimés, sans chichi, sans manière. D'avoir fait amour. Tu sais, tu devrais t'appeler Fifine, ça t'irait très bien. Allez, debout, on va manger des huîtres au vivier et après on ira danser. Il l'a conduit, ce qui est normal. Puis tous les deux, ils ont fait un couple idéal. Quant au bout. Romantica, romantique et bohème. Jean-Max Rivière nous propose celle de sa rose d'eau. Bas, derrière des fagots de poignées de main, il y a les bouteilles de notre amitié. À la syncope, nous boirons le vin jusqu'au dernier des souvenirs communs. Par derrière le pétrin que forme la vie, il y a dans un recoin notre pain d'amis. À la syncope, nous partagerons en mémoire des temps qui s'émietteront. La vie. Tu m'aimes? La fille de la madrague là-bas. J'arrête pas, je les connais. Elle est danseuse dans le corps de ballet de l'opéra et lui, je crois qu'il va être comptable. Comptable? Je croyais que les comptables étaient chauves avec un gros ventre. Qu'est-ce que t'as? Tu parais tout drôle. Rien. Ça va pas? Non. On part? Accompagné au piano par Maurice Blanchot, à Shanghai ou ailleurs. Dans le vieux port, la mer giflait, les cargos tristes, c'était à Singapour, à Shanghai ou ailleurs. Je
je ne sais où. Quel idiot, on s'en va? Ce dimanche est différent des autres. Ce n'est pas ce dimanche qui est différent, c'est nous. Miss m'a pris au bal. Cette chanteuse qui s'est fait chahuter puis tousser à rire. J'ai toujours été comme ça. Quand je m'amuse, je pense que tout va s'arrêter, ça me rend toute triste. Une fois, j'avais 13 ans, nous sommes allés à Rolizane, c'est près d'Oran. Il y avait une fête foraine sur la place. Je m'étais beaucoup amusée. Parce que je suis montée me coucher, l'hôtel était juste face à la fête. Par la fenêtre, j'ai vu toutes les lumières qui s'éteignaient. J'ai pleuré cette nuit-là et j'ai mal dormi. Au petit matin, je me suis levée, j'ai vu une chose terrible. Les forains démontaient les baraques. La fête était vraiment finie. Alors j'ai compris que jamais plus je ne pourrais m'amuser dans une fête sans penser qu'elle allait finir. Pendant la semaine, est-ce que tu penses à moi, Alain? Je pense à toi nuit et jour. Tu te moques de moi, je le sais bien. Je te dis que tu joues. Oui, tu joues. Le samedi et le dimanche, depuis 3 mois, on sort ensemble. Pourquoi? Un jour ou l'autre, peut-être demain, tu m'oublieras. Demain, ce sont des mots. Tu aimes les fleurs. Quand tu les cueilles, tu sais qu'elles vont se faner. Eh bien, l'amour, c'est peut-être comme ça. Je ne peux pas croire à l'amour comme tu en parles. Si je sais qu'il va mourir, il est déjà mort. J'ai besoin d'être certaine, je suis comme ça. Ça fait longtemps que je voulais m'expliquer avec toi. Le soleil se couche, il va falloir se quitter. On ne se verra plus les autres jours, Alain, c'est mieux. On n'est pas fait pour s'entendre. Demain, c'est lundi, j'ai une répétition toute la journée. Est-ce que je vais aimer quelqu'un dans ma vie? Est-ce que je vais être heureuse? Sois pas triste, Fifine. Il doit exister un moyen d'être heureux.